Jean-Luc Reichmann est très concerné par les questions liées à l'écologie. L'animateur fait même tout pour préserver les ressources importantes telles que l'eau. Il a dévoilé son petit geste écolo pour ne pas faire trop de gaspillage et cela a surpris certains. Jean-Luc Reichmann ne se contente pas de son statut d'animateur pour divertir les téléspectateurs. Le présentateur de 62 ans est également une personnalité très engagée, qui profite constamment de sa notoriété pour faire passer des messages. Ses sujets de prédilection? La tolérance ou encore la lutte contre les violences faites aux enfants, message qu'il véhicule notamment grâce à sa série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Celui qui est aux commandes des 12 coups de midi est aussi très concerné par les questions liées à l'écologie et au gaspillage des ressources, comme il l'a expliqué lors d'une interview accordée à la plateforme Hello Planet. Le compagnon de Nathalie Lecoutre a fait savoir qu'il n'abusait pas de la chasse d'eau aux toilettes, laquelle consomme pas moins de 30 litres d'eau potable, grâce à une astuce surprenante. Jean-Luc Reichmann fait pipi sous la douche pour la planète. L'animateur de TF1 a dévoilé son geste écolo, faire pipi sous la douche. Moi je le dis depuis 15 ans, a-t-il confié, en expliquant qu'à chaque fois qu'il le disait ça mettait les gens mal à l'aise. Je dis, mais arrêtez. Si est directa, tout de suite, direct, a-t-il confié. Mais ça, je l'ai dit avec Evelyne Delia, qui fait tellement attention à la planète, elle aussi, avec ses conseils. Mais on le dit depuis 15 ans qu'il faut faire pipi sous la douche. Donc arrêtez et faites pipi sous la douche. Si est-il bon pour la planète. Un petit conseil qui a divisé les internautes. Certains ne sont pas vraiment convaincus par cette solution. C'est bon pour la planète et pour la porte de douche qui au bout d'un moment pue l'urine à la mort, ce qui va être relou, c'est prendre une douche à chaque fois, si est-il dégueulasse, en même temps, on ne va pas prendre une douche chaque fois qu'on a envie de faire pipi. Au lieu de culpabiliser le peuple, dites aux milliardaires d'arrêter leur jet privé ou encore bonjour l'odeur d'urine. Désolé, mais si est-il non, peut-on lire dans les commentaires. Jean-Luc Reichmann n'a pas fait que des adeptes.